Ici, bon, vous et tous, on aime bien se mettre en double underhook, d'accord? Comme ça, là, on est tranquille. Donc, du coup, là, comme avec mes petits bras fragiles, j'ai du mal à lever, d'accord, les gros gabarits. C'est pas avec le bras, d'accord, avec la force des bras qu'on va lever, d'accord? Ici, je tiens mes genoux en dessous, d'accord? Mes genoux ici sont serrés. Je le mets sur mes genoux, d'accord? Une fois qu'il est sur mes genoux ici, là, je viens ponter, d'accord? Ici, et je fais que ses pieds. T'as du mal à rester sur la nuque? Oui, je vais essayer. Donc là, si le mec, c'est un bon guardéro, qui il aime bien la garde, il va rester sur cette position pour défendre, d'accord? Il va rester là. Donc du coup, ici, donc il va mettre ses pieds. Je vais isoler une jambe, d'accord? Ici, toujours la main à la ceinture, d'accord? Je vais isoler une jambe. Mets tes pieds, voilà, sinon tu vas te faire mal. D'accord? Si vous mettez les orteils au sol, là, comme je vais appuyer dessus, vous allez vous faire mal aux orteils. Donc voilà, l'orteil ici, je pose et le genou va se poser là. D'accord? Une fois que je suis là, d'accord, je saisis la ceinture si elle est bien serrée. Si je sens qu'elle est un peu lâche, d'accord, je saisis au pantalon. D'accord? Donc là, je saisis la ceinture. Mon genou ici, là, il est debout, c'est pour. C'est une butée, c'est pour pas qu'il puisse revenir en dessous, voilà. Donc là, je vais bloquer ici. Ici, ce que je fais maintenant, c'est que je viens saisir, d'accord, le kimono et mon genou vient se poser au sol, d'accord, pour retomber ses hanches sur mon ventre, d'accord. Pour ça, j'ai posé mon coude au sol et mon poignet, d'accord, je l'ai gardé tendu. Au final, je suis resté comme ça, d'accord. J'ai pas fait ça, tout ça. Je suis resté là. Donc là, il a ses hanches sur mon ventre. Ok? Ici, j'appuie avec mon pied sous son repopité, d'accord? À l'opposé du genou. Et je viens distribuer à cette jambe qui passe devant ici. Là, je mets mon premier crochet, d'accord? Celui-là. Cette jambe vient s'appuyer sur mon pied. Et ma main va venir en fait sous mon bassin, d'accord. Je vais pas juste le ramener ici sur mes abdos, je vais venir le pousser sous mon bassin, d'accord, bien profondément. Donc ça donne ça, j'appuie et là ma main, si vous venez voir, vous voyez, pour qu'il retombe comme par magie dans mon dos, ma main est bien sous mon bassin. Je n'ai pas juste poussé ici, d'accord. Si j'aurais pu juste pousser ici, je serais encore un peu loin, d'accord. Je vais pousser bien bas. Premier crochet, ceinture de sécurité. Donc je reviens